Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo pour vous faire montrer voilà, comment je travaille avec mon perroquet. Alors c'est Punchy, elle a un an et quelques mois. Donc là je lui avais acheté un harnais voilà, pour pouvoir la sortir, pour qu'elle puisse elle aussi profiter de la nature. Voilà, bon elle n'est pas encore habituée à fond au harnais, mais elle commence tout doucement à s'y habituer. Voilà. Alors pour éviter qu'elle aille dans les arbres, partout, parce que la dernière fois j'avais fait, elle s'était échappée. Doucement ma fufu, là, c'est bien. Donc là je suis en train de lui apprendre le rappel. Alors il faut y aller doucement, hein, pour mettre un harnais à un perroquet, il faut y aller avec douceur. Voilà, commencer à lui mettre tout doucement, à lui mettre des graines, à lui laisser à côté pour qu'elle puisse voir, parce que c'est très curieux et très peureux en même temps. Donc voilà, il faut y aller en douceur. Vous voyez là, elle s'amuse avec son harnais, elle veut l'enlever. Voilà. Alors, il y a rogné un peu. Donc là je vais faire 6 mètres. Je vais lui décoincer parce que. Alors là normalement on a travaillé un peu ce matin et c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Punchy. Hop. Punchy. Allez ma fille, viens. Hop. Allez, viens. Alors, je lui ai déjà fait faire 2 ou 3 fois, elle a peut-être plus envie de le faire. Allez Punchy. Hop. Allons, on va la soupe. Allez, viens. Alors là, on entend le chien du voisin. Punchy, tu viens? Alors, vous voyez, un perroquet, c'est très têtu. Il faut y aller, faut prendre patience. Et voilà, chaque mouvement. Hop, Punchy, allez, viens. Viens, ma fille, viens. Allez, viens. On a fait tout à l'heure sans le téléphone, on le fait avec le téléphone maintenant. Allez, viens. Punchy, hop. Viens, ma belle, viens. Punchy. Alors, je vais essayer de prendre dans l'autre main. Allez. Allez, tu viens? Allez, ma fille, on s'en va. Allez, viens. Allez, viens, Punchy. Hop. Allez, viens. Allez, hop. Punchy. Allez, hop. Allez, Punchy. Allez, hop. Punchy. Allez. Allez. Oui. 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 C'est bien, ma fifi. Good job. Oui, c'est très bien. Alors, doucement, Tyrone. Doucement. 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 Il y a Punchy, là. Doucement. Alors vous voyez, ça a pris un petit peu de temps, mais elle a fini quand même par venir. C'est une fifi qui est très gentille, à la fois un peu imprévisible. Vous voyez, tout à l'heure elle m'a pincé un petit peu, mais bon, c'est pas méchant, elle m'a pas fait saigner. Mais bon, elle m'a fait comprendre que, voilà, des fois elle en a marre et bon, voilà. Donc là, je vais stopper la vidéo. Si vous avez des petites questions, des fois, sur les perroquets, j'essaierai d'y répondre. Voilà, j'en ai appris quelques-unes, je ne savais pas tout et on ne sait pas tout encore. Donc, voilà. Là, vous voyez, elle profite du soleil, des UVB, ça a besoin de beaucoup de lumière. Voilà, pour le plumage et tout ce qui s'ensuit, pour la bonne santé de l'oiseau. Alors là, elle a les ongles assez longs, il va falloir que je lui fasse. Punchy, tu fais tchuss avec la patte. Punchy, tchuss. Tchuss. Non, là, ça fait beaucoup de choses à la fois, la liberté, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si, elle va monter sur l'épaule. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, eh bien, laissez-les. Je ferai un plaisir d'y répondre si je connais les réponses. Voilà, je vous dis ciao, ciao, c'est Jim Chasse.